Les amis, il est temps pour moi, aujourd'hui, d'arrêter de faire des vidéos YouTube. En fait, j'ai un rêve de gosse, voilà, depuis que je suis tout petit, je dois vous l'avouer. Eh ben, je rêve d'avoir mon propre magasin, vous savez, voir les clients tous les jours, avoir le smile, tout ça. Ça m'a toujours fait rêver, tu vois, ça m'a toujours donné envie. Eh ben, je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter pour des bons les vidéos et de se lancer dans un supermarché. Voilà, bon, on va d'abord commencer par une petite épicerie. Et peut-être qu'un jour, on aura un super magasin de fou, voire même carrément, soyons fous, un centre commercial. Bref, vous l'avez compris, les amis, ou pas? On se retrouve aujourd'hui pour Supermarket Simulator. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeu, vous l'avez peut-être vu en ce moment, pas mal de personnes le font. Et j'avais envie de découvrir, est-ce que c'est vraiment si cool? Est-ce que ça mérite sa hype? Et ben, on va aller découvrir ça ensemble. Let's go! Ouvrir le Frit Market, on y va! Bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un super, super marché. Ça, c'est mon magasin. Voilà, on a 50 dollars en poche, on n'a aucun client, on n'a aucune marchandise. C'est la merde en fait, qu'on se le dise clairement là. J'ai tout misé pour pouvoir ouvrir ma propre boutique. J'espère que je vais pas me rater. Allez, c'est parti! Alors, comment ça se passe? On a un petit écran avec marché, gestion, banque. Si on va au marché, on a des produits qu'on va pouvoir acheter. Et j'imagine que ça, c'est les produits qu'on va mettre dans notre boutique. Donc, on a des sortes de chocs à pic là. On va les acheter, ajouter au panier. Ok, attends, j'ai que 50 dollars. Du coup, il faut que je fasse attention. Voilà, des pâtes, c'est la base. Tout le monde a besoin de pâtes. Donc, les céréales, c'est peut-être pas le meilleur move tout de suite. Donc, les pâtes, c'est bien. On va prendre du sucre et de l'huile. Je pense que voilà, c'est mieux vraiment de partir sur des trucs que les gens vont prendre. Ah, mais j'ai. Ok, on achète. Ça part dans le bar, comme on dit. Bon, comment ça se passe maintenant pour recevoir les produits? Alors, au début, c'est pas évident. Je pense qu'après, t'as vraiment l'habitude. Mais j'ai même pas d'étagère, frérot. J'ai même pas d'étagère. Ça coûte super cher. Vous avez vu le prix d'une étagère? Je dois me couper un bras, frère. Même les deux. Et si je vends les deux, je fais comment après pour mettre mes produits en boutique? Alors, maintenant que j'ai acheté tout ça, on a aussi également le comptoir, forcément. Là, on fera les paiements. On a le truc de carte ici. On a la caisse enregistreuse là. Ça me paraît pas mal. Est-ce que je peux, par contre, bouger et déplacer déjà les trucs de mon magasin? On verra après parce que regardez, on a des colis ici. Donc, heureusement, on a des étagères de base. Donc, on peut tout mettre. C'est assez satisfaisant, en vrai de vrai, j'avoue. Voilà, hop, on a mis nos premières bouteilles d'huile. On doit ensuite jeter à la poubelle. Bien évidemment, l'écologie, c'est important. Trier. Donc, alors là, on a les pâtes. Les pâtes, on va les mettre à côté. Nickel. Là, des bonnes ponzati. Non, pas des ponzani. Donc, c'est bon, on a vidé le carton. Voilà, il me reste que 22 dollars. Et il n'y a plus qu'à attendre que bah quelqu'un ait besoin de pâtes. Bon, bah en attendant, je vais faire quoi, moi, du coup? Peut-être acheter quand même d'autres trucs. Attends. Déjà, dans gestion, on a licence de produits. Donc, avec ça, on va pouvoir débloquer plus de produits. Mais je suis loin des comptes pour l'instant. On peut agrandir notre magasin, gagner des pièces quand on aura vraiment beaucoup d'argent. On a également des factures à payer, un loyer à payer. On pourra embaucher plus tard si on arrive vraiment bien dans le market game. Ok, ok, ok. Bon. Alors. Est-ce que j'ai des clients qui se ramènent? Ah, allez, allez, il y a des potentiels clients ici, là. Bonjour, monsieur, là, vous êtes bien habillé, ça vous dirait pas un petit paquet de pâtes pour ce soir? Non? Bon, ok, très bien. Ils sont pas très ouverts au dialogue ici dans cette ville, hein. Franchement, c'est pas très sympa, hein. Un peu de soutien, oh, pour les jeunes commerçants, là. Bon, du coup, maintenant qu'on a mon sucre, je vais le mettre en bas. Ici, là, juste en bas, là. Le sous-sous, là. Si quelqu'un veut du sous-sous, il y en a, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ah oui, attends, le tutoriel, c'est fixer le prix du produit. Donc là, j'ai acheté des produits, mais j'ai même pas encore mis le prix. C'est pour ça que j'arrive pas à vendre. Alors, en vrai, prix d'achat, prix du marché, 4,30. Bon, si on veut se faire un petit peu d'argent, je pense qu'en vrai, 2,50, c'est pas mal. Oula, non, pas 250, je suis fou. Voilà. Pour de l'huile, ça me paraît pas mal. Pour ce qui est du sucre, on va toujours faire un peu plus haut quand même que le magasin, histoire d'avoir un minimum. Tu vois, là, en magasin, normalement, c'est 4 dollars, plus ou moins. Donc, on va mettre ça. Pareil, je pense qu'on va mettre ça à 2,50 $. Ça me paraît pas mal. C'est validé, chef. Ensuite, les pâtes. Pâtes, ça doit être moins cher, je pense. C'est, ah, quand même, quand même. Donc, les pâtes, je peux me permettre de les mettre à, on va les mettre à 2 euros. Vous savez quoi? 2 euros. Et si des gens achètent, franchement, on est content. Et ben voilà, on a fait la première étape. Maintenant, le tutoriel, c'est ouvrir le magasin. Parce que là, c'est fermé. On va mettre sur ouvert. Et comme ça, on va pouvoir avoir nos premiers clients. Attendez, le premier client. Ah, bah voilà, tu vois, il dit ouais, il y a un nouveau magasin. En plus, c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. On lui avait parlé. Il nous avait envoyé bouler. Alors, il a acheté quoi, le monsieur là? Bon, bah, déjà, on va régler un paquet de sucre. Ok. Alors, scanner les produits. Mais je dois savoir scanner. C'est vraiment, ouais, une simulation. Hop, on empoche l'argent. Et c'est good ou pas? Rendez la monnaie en veillant à bien donner le bon montant. Ah, oui, d'accord. Donc là, je dois rendre en gros 7,50 $. Bon, on va prendre 5 $. Ensuite, on prend hop. Hop, 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 hop. C'est bon, c'est validé. Tenez, monsieur. J'approuve le paiement et c'est carré. Lui, il a acheté des pâtes. Alors, on scanne. Ah oui, c'est par carte. Du coup, là, c'est pour nous apprendre comment ça fonctionne par carte. Entrez le montant exact. C'est 2 dollars. Il doit payer 2 dollars. Donc, monsieur, vous allez payer 2 dollars, ok? Voilà, ok. C'est sympa. Ouais, j'aime bien le concept. J'aime bien le concept. Encore par carte? Mm-hmm. Allez, lui, c'est 2,50 $. 2,50 $. Voilà, monsieur, c'est bon, c'est réglé. Ouh, lui, ça fait plaisir, là, je vois que mon magasin commence à avoir un petit peu de succès. Et là, honnêtement, tu vois, ça me fait plaisir, là. Ça me motive à continuer pour un jour contrôler toute la ville, avoir des frites market absolument partout, à chaque coin de rue. Et pour l'instant, une petite épicerie plutôt modeste. On va y aller étape par étape, hein. Alors, on scanne tout. Voilà, lui, il fait en cash. On va devoir lui rendre, bien évidemment. Alors, ah non, je vais lui donner 0 $. Ah non, non, ça, si, si. Ok, non, non, pas du tout. 42,50 $, je dois lui donner. Bon. Tac, voilà, ensuite tac, tac, et un petit peu de monnaie. C'est bon pour vous, monsieur? C'est validax? Hop!
C'est Validax. Lui, il a aussi acheté des petits trucs, hein. On encaisse. Tac, on scanne. Ok, on cache. Je dois lui donner. Ah, 0$. Là, c'est validé directement. Lui, tu vois, c'est le client roi. Voilà. Genre, il arrive. Bam, pas de problème. Il nous facilite la vie. J'aime bien. Bon, mine de rien, on s'est fait un petit peu de tunasse. Voilà quoi, Valène, une bouteille d'huile. Pour l'instant, j'ai pas de bouteille d'eau. Donc, voilà. J'espère que c'est bien pour faire à manger et non pas pour la boire, hein. Parce que c'est pas du jus d'orange, hein. Hop, on part cartel. Alors, 2,50$. Voilà, 2,50$. Magnifique. Franchement, je serais content d'avoir fait ma première journée. Tu vois, l'objectif là, c'est encaisser les clients. J'en ai déjà fait 6, il en reste 25. J'ai encore quelques produits. Peut-être qu'à un moment donné, je serai à court. Bon, mademoiselle, c'est quoi vous? Ok, petite bouteille d'huile. Des pâtes en plus. Ok. En même temps, c'est pas comme si elle avait vraiment l'embarras du choix, j'ai envie de dire. En cash? Pas de problème. En plus, bam, je peux vous valider directement. Pas de monnaie à rendre. Lui, il prend quoi là? Une bouteille d'huile? J'ai cru qu'il allait sortir son pays et j'allais sortir la carabine derrière là que je cache dans l'entrepôt. Ok, on scanne tout. Susu, let's go. Par carte, vous, monsieur. Ok, 7,50$. Mais vas-y, ça part. Voilà, la moula. La moula, et vous mademoiselle, un petit paquet de pâtes par carte. J'aurais peut-être quand même pu payer par en monnaie, j'ai envie de dire. Hop, 2$. Je devrais peut-être recommander des produits, non? Vous en pensez quoi après? J'en ai encore en verre. Mais déjà, je me dis que faire 25 clients. Vous savez quoi? Si, comme ça, hop, vas-y. On va racheter un petit pot de pâtes. 2 pâtes, ça me paraît bien. Donc 3 paquets de pâtes. Voilà. Et on va se faire un kiff. On va même carrément mettre du pain de mie. Voilà. Let's go. Ça part. Y a quelqu'un ou pas qui m'attend là au comptoir? Non, c'est bon, je suis tranquille. Je vais recevoir, voilà, mes colis. Alors, le pain de mie, on va le mettre en bas ici. Tac. Et on va devoir fixer un prix. On va acheter ça à la poubelle directement. Attends, parce que là, elle est venue. Voilà. Alors, on scanne tout. Bam, 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 bam. Par carte, pas de problème. Combien? 6,50$. Et voilà, de la bonne thune. Hop là. Bon, maintenant, laissez-moi vite fait arranger mes trucs, s'il vous plaît. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai des prix à fixer sur mon pain de mie. Alors, ok, lui, on peut mettre. Vous savez quoi? On va voir si ça se vend. Je vais mettre 3$. Vous savez quoi? On est fou. Je m'occupe de vous. On scanne les pâtes. Un peu de cash, s'il vous plaît. Voilà, ça fait plaisir. On doit lui rendre 6$. Tac, tac. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle, les amis, la rapidité, l'efficacité. Hop, bam, t'encaisses, carte, 7,50$, pim, poum, pam. Et voilà, c'est comme ça qu'on bosse. Franchement, je suis un pro, hein. J'ai l'impression que j'étais vraiment fait pour ça. Alors, hop, là, on va remettre des pâtes vite fait parce qu'on a vraiment plus du tout. Est-ce que ça garde le prix ou pas? Oui, ça garde le prix. On met ça à la poubelle. Ensuite, on met un peu plus de pasta. La pasta des mamas. Hop, on met ça là. On va vite fait s'occuper du client parce que sinon, il va s'impatienter. Ouh, surtout que lui, il a fait une grosse commande. Alors là, vous êtes vraiment mon meilleur client du jour là. Je vais arriver à parler aussi un jour. Alors, 13,50$, hein. Oh oui, ça, c'est de la bonne paye. Ça, c'est de la bonne paye. Eh, voilà le travail. Bon, attends, il y a une caisse qui attend dehors là. Ça tombe, ça va pourrir. Ce serait pas mon pain de mie? Ah non, c'est des pâtes. C'est vrai que des pâtes, j'en ai commandé pas mal. Hop, on remet des pâtes. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça reste quand même le truc le plus acheté. Donc là, moi, il fallait que j'en remette un petit peu. Alors, on se cale le sucre. Tu vois, le pain de mie, il est parti à 3$. Hein, et il se plaint pas en vrai de vrai. Hein. Il s'est pas plaint du tout. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Même pas, je dois lui rendre de l'argent. Il a pris des pâtes, de l'huile, par quart, 7$. Hop. Et voilà. Franchement, 15 sur 25, les amis, au niveau des clients. Est-ce que là, on ne commence pas à rentrer dans le market game là. Donc, il manque un petit peu d'huile quand même, je vous avoue. C'est vrai que l'huile, ça part plutôt pas mal. Hop, on va prendre ça. Lui, il veut. Ouh, rendu monnaie 45$. Mais attends, mais il va donner quoi, frérot? On va faire 20. Hop, voilà, c'est bon. Et par contre, ouais, il commence à faire. Pas nuit, mais ça commence à être la fin de journée. Donc, je vais peut-être pas reprendre de l'huile maintenant. Voilà, on réarrangera les stocks plus tard. Là, on va d'abord s'occuper de terminer la journée du coup. 50 centimes, lui. 50 centimes, monsieur. Ok. Ouais, lui, ça fait plaisir sur le pain. Hein. À mon avis, c'est un père de famille, je pense. Hop, il a pris du pain pour toute la famille. Alors, 11,50$. Voilà. Voilà. Et c'est bon, let's go. Hein. Ah, il y a encore des gens qui viennent quand même. Hein. Je sais pas quelle heure il est là. Il y a pas l'heure que. Ah, mais non, ça c'est l'heure. Mais oui, c'est ça. C'est l'heure en fait. Donc là, il va être 19h bientôt. J'imagine que je ferme à 20h, je pense. Ou c'est moi qui décide peut-être. Hop, de quand je ferme. Et ben voilà. C'est validage. Je n'ai pas trouvé Susu sucre en poudre. Ouais, il y en aura demain. Revenez demain et il y aura du sucre. Ah, mais bah lui encore. Mais ouais, c'est vraiment moi qui décide. Mais ouais, mais il faut que j'encaisse les clients en fait. Allumez toutes les lumières. Ah, mince. Attends, vite. Mais bon, il y a la lumière, voilà. Vite scanner, voilà. Il faut vraiment que j'arrive à remplir mon objectif parce que on a peut-être des récompenses, tu vois. Faut que je lui redonne. Ouais, non mais lui, il est dans l'abus, lui, frérot. Lui, il est vraiment dans l'abus, par contre. Toujours plus, non? Là, ouais. Il faut que je rende 1$. Hop, ça part. Elle, elle veut quoi? Pâte, en cash. Je vais lui rendre que dalle. C'est magnifique. Susu en poudre, est-ce que j'en prendrais pas un? Vite fait. Allez, parce que les gens aiment bien, en vrai de vrai. Donc je me dis pourquoi pas. C'est qu'on va en prendre 2. Voilà, on va validax le panier. Bon, mais qu'est-ce? Elles arrivent très très vite, ça, c'est l'avantage, j'avoue. Tac. Susu la famille, hein, comme on dit. Prends le deuxième Susu. Voilà, pas de soucis avec Susu, comme on dit. C'est le slogan de la marque du sucre. Waouh, les amis, j'ai eu un bug de zinzin là avec mon PC. Waouh. Ok, je reviens là, il me restait 3 clients. Attends, parce que là, il y a. Mais pourquoi il y a ça là? Je comprends pas là, j'étais en train de mettre du Susu. J'ai eu un gros bug, le jeu a planté. Bon, j'espère que ça va pas me le refaire parce que là, je vous avoue que ça me fait peur. Donc, je remets le Susu vite fait. Faut vraiment que je termine mes 3 clients. Le présentoir est plein. Mince, je fais comment? Comment je fais? Genre lancer, poser. Bah, je vais le poser en vrai. On va le poser là. Voilà, et comme ça, ce sera pour demain à la limite. Ok, j'ai encore des clients qui se ramènent.
semaine, c'est bon. Parce que là, il faut vraiment que je termine la journée, histoire que je complète mon objectif. Donc venez, monsieur, venez. Je vais m'occuper de vous, vous inquiétez pas. Voilà, on va scanner. Oh, il a pris qu'un paquet de pâtes, par contre. Ça, c'est pas ouf en vrai. Alors, vous voulez quoi, vous? 2$ pour le frérot. Hop. Voilà, c'est bon. Allez, encore 2 clients, c'est bon. Ah, je crois que pour l'instant, il y a personne, hein. Vraiment, hein. Je peux pas passer un petit coup de balai en attendant, là. Ce qui manque, là, c'est de l'huile. J'en prends, les amis, parce que regardez, ils mettent que les Chocapic. Ça a pris, ça a augmenté. Donc, je vais voir en vrai si c'est intéressant. Hop, que je vende des Chocapic pour les gamins, tu vois, pour leur petit déj et tout. On va essayer de mettre des Chocapic, du coup, et non pas des Chocapic. Let's go. Hop, ça me fume en vrai. Ça me fume. Alors, allez, le prix du magasin, c'est 7$. Donc, franchement, si je mets un bon 6,50$, ça le fait, non? En vrai, 6,50$, c'est ok, je crois. Je pense qu'ils vont quand même acheter malgré tout. Ah, regardez la première cliente de la journée. Les petits Chocapic, ça vous plaît ou pas? Attention. Let's go, les Chocapic. Voilà, là, ça va nous régaler au niveau prix, hein. Regardez ça, comment ça va lui coûter, là. Je lui rends 34$. Je m'occupe de ça direct. Oh là là, 16$, là. Hein. Là, on va vite l'avoir, la licence. Tu vas voir, elle prend du pain. Voilà, de quoi faire un petit déj. Des petites salades, ça vous intéresse? Mais bien évidemment. Ah, bah, elle prend pas. Ok, elle prend des pâtes. Très bien. J'allais dire des salades pour les gamins. Elle prend du pain, elle. Pas de soucis, tu vois. Mais non. Écoute, c'est quand même une belle petite commande, même si c'est pas vraiment une commande, vous avez compris. Alors, je dois 6$. Tac, tac, tac. Voilà. Il a pris quoi, lui? Juste un paquet de sucre? Ok, bon, ça va. 47$, mais frérot, il a donné un billet de 50. C'est un zinzin, lui. 47. Bam. Ok. Allez, on a 115$. Oh là là. Oh, les Chocapic qui ont la cote, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oh là là là. Ils ont un succès fou. C'est monstrueux, là. C'est le meilleur truc, en fait. Lancez-vous dans le Chocapic game, hein. C'est vraiment le bon truc. Allez, elle prend des pâtes. Un petit Chocapic, vite fait. Non, dommage. Hop. Par contre, elle a fait, voilà, des belles courses. Alors, 11$. Voilà. On y est presque aux 200$. On a 56$, on y est presque. Franchement, aujourd'hui, c'est sûr et certain, je peux acheter une licence. Parce que regardez, franchement, là, prennent des pâtes, du pain. Si elle me prend une petite Chocapic, ça aurait été parfait. Mais j'ai des belles courses, là. Tu vois, ils commencent à vraiment se faire plaisir, les gens. Donc, c'est vraiment très cool. Hop, j'ai rien à donner. Voilà, 157$. Allez, on se retrouve dès que j'ai les 200$. Eh bah, écoutez, je vous annonce officiellement que nous avons enfin passé les 200$, mesdames, messieurs. On va pouvoir acheter la licence. C'est parfait. Nickel. Et ce qu'on va faire, même carrément, regardez, on va faire les choses bien. On valide ça. Je vais racheter juste un Chocapic. Voilà, un petit Chocapic vite fait, parce que ça a vraiment un succès fou. Et comme c'est en hausse, c'est vraiment le moyen de faire des bons bénéfices, tu vois. On va acheter la licence aussi également, mais on fera ça après, parce que là, on a ça vite fait à remplir, enfin le rayon à remplir de Chocapic. Voilà, on va déposer ça bien évidemment ici. Je m'occupe de lui, hop. Là, franchement, on est bien, là. Là, ça aurait été une belle journée. Hop, je n'ai pas trouvé Kaftfruk Farine. Ouais, on peut pas tout avoir dans la vie, mon ref, hein. N'oublie jamais ça. Ouais. Ah, moi, j'avais rien au début. Là, je commence enfin à avoir des trucs. Là, je suis content, tu vois. Alors, la licence. Pour aller voir la licence, il faut tout simplement aller dans gestion. Et là, tu vois, je peux acheter une licence. Ça va me permettre d'avoir des bouteilles d'eau. Attends, pourquoi je peux pas? Niveau du magasin Rocky 3. Mais c'est bon, là, normalement. Ah, j'ai pas 200$. Ah, mais ouais, en gros, c'est les Chocapic, là. Ça m'a mis dans le mal. Bon, on va devoir repasser la barre des 200$. C'est pas grave. Ou alors, j'ai dû payer une facture. Ou je sais pas trop quoi. Mais on va vite revenir aux 200$, vous inquiétez pas. Bah voilà, avec ça justement, je pense que là on y est sans aucun problème. Bah voilà. Qu'est-ce qu'elle veut? De la farine encore. Ils veulent vraiment de la farine, hein. Mais là, ce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est les bouteilles d'eau. Voilà, c'est bon. Et maintenant que j'ai ça, on va pouvoir avoir des bons trucs maintenant. On a débloqué plein de nouvelles choses. Regardez ça. On a accès à plein de trucs. Bon, la farine, c'est vrai que ils en veulent. Mais ce sera pour plus tard, parce que là... Oh, regardez-moi ces courses de fou, là. Oh là là là, les courses de Zanzibar, là. Tac, tac, tac. Magnifique. Hop, on s'occupe de ça. Hop. Oula, oula, attends, j'ai failli l'arnaquer, là. Et de beaucoup en plus de ça. Sous-sous. Hop. Et à moi, les sous-sous, justement. Nickel. Maintenant qu'on s'est refait un peu de bail, là, regardez ce qu'on va faire. On va prendre de la farine, parce que ça, les gens, ils en veulent vraiment. Et de l'eau, ça, c'est super important. De l'eau, du fromage. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mince, qu'est-ce que je pourrais virer, alors? Compter, ça sert à rien. Compter, c'est pas un bon investissement pour l'instant, je pense. De l'eau, c'est très, très bien. Il faut de l'eau, mesdames, messieurs, il faut de l'eau. Hop, voilà, combien je vous dois? 1$, c'est bon. Hop, ce qu'on va faire aussi également, c'est qu'on va allumer les lumières. Parce que vous savez qu'ils ont besoin de lumière, les frérots, logique en soi. On va mettre des bouteilles d'eau. Je peux les mettre. Ah, il me faut un frigo. Oh mince, j'ai pas pensé à ça. Il me faut un frigo. Au secours. Je panique. Voilà, là, c'est chaud en vrai quand tu dois gérer plusieurs trucs là en même temps. C'est vraiment Tandax de chez Tandax. Mince, je me suis trompé en plus. Voilà. Issu, hop, 3$, c'est pas grand chose. J'ai pas de frigo. Du coup, le frigo, le problème, c'est que ça doit être dans fourniture. Ouais, c'est ça. Réfrigidaire, tu vois, ça coûte 200$. J'ai pas du tout les moyens. Donc, ce qui fait que j'ai acheté. Ah non, c'est quoi ça? Plafonnier, congélateur. Ah, laisse tomber. J'ai acheté de l'eau pour que dalle, là. Non, j'ai trop le seum. Après, de l'eau, ça reste longtemps, tu vois. Plus tard, je pourrais largement les remettre dans le frigo. Comme si de rien n'était. Du coup, 50 centimes, c'est ça. On finit la journée, les amis. Et puis, on en restera là. En tout cas, je trouve le jeu vraiment très cool. Je comprends. Du coup, c'est ultra prenant comme jeu. Par contre, j'ai vraiment plus de stock. C'est un truc de fou.
On va aller dans les produits. On va racheter un pain de mie. C'est vrai que j'ai du stock d'or en plus. On va racheter de l'huile. C'est parfait. Ah, j'ai même pas assez, frère. J'ai assez pour rien. C'est un truc de fou. Ah, maintenant c'est fermé. C'est littéralement fermé. Bon, c'est pas grave. On finit les derniers. Voilà, les derniers clients vite fait. Hop, cachette. Encore des céréales, frérot, à cette heure-ci, c'est quand même un truc de fou. Hop, voilà, je te valide Axe. Toi, je te valide aussi. Tu veux $1. Voilà. Moi, c'est mon stock là qui est dehors là. On va me les voler, frérot, si ça continue là. J'ai de la farine là, que je n'avais pas encore. Voilà, hop. Ouais, on doit terminer la journée, mais attends. Avant, ok, la farine, bon, on va mettre à $3. C'est très bien, $3. Voilà, magnifique. On termine la journée. Et c'est bon, les amis. Terminé la journée. Et nous, on termine la vidéo. Franchement, le jeu est vraiment super cool. J'ai adoré, j'ai passé un super moment. C'est vraiment très, 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 très chill. Et je pense qu'il faut farmer très longtemps avant d'avoir un magasin de fou. Parce que là, franchement, j'ai peut-être quoi tourner 40 minutes. Et je suis vraiment qu'au début. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous me dites tout ça dans les commentaires. Bombardez la barre des likes. Abonnez-vous, activez la cloche de notif pour ne pas rater toutes les futures vidéos qui arriveront sur cette chaîne. Et sinon, bah, je ne retiens pas plus. D'ici là, prenez soin de vous, les BG. Ciao, ciao.